Et le mensonge continue parce que tu trouves des gens qui sont faibles. Ils vont être là pour te flatter. Alors tu oublies que tu es une personne humaine et que tu as besoin de rencontrer Jésus et Jésus en entier. Le Christ est le prêche de Messie crucifié, scandale pour les Juifs et pour les païens. Le Messie crucifié, crucifié. Pas un Messie à l'eau de rose. Le Messie à l'eau de rose, ça n'existe pas dans le christianisme. Le premier paraclet nous défend du péché du démon, mais aussi nous invite à adhérer complètement, complètement à son plan de salut. Le Père qui consomme, le Fils concrétise cette consolation et l'Esprit Saint, le Consolateur, nous donne accès à Jésus. C'est l'action commune de la Trinité qui nous a envoyé ce soir et en tout, tous les jours de notre vie. Si le Père est consolateur, le Fils est consolateur, l'Esprit Saint aussi est consolateur. Il y a un Père de l'Église, ce n'est pas un Père de l'Église en tant que mais c'est un saint, mais c'est un docteur de l'Église parce que, par sa science, il s'appelle Saint Bonaventure. C'est Bonaventure, c'est un fils de Saint François d'Assise. Il dit ceci, la consolation de l'Esprit est vraie, est parfaite, est proportionnelle. La consolation de l'Esprit est vraie, parfaite et proportionnelle. Pourquoi vraie? Car il exerce la consolation là où il faut l'appliquer. Là où il faut l'appliquer. La consolation de l'Esprit est d'abord vraie parce qu'il exerce la consolation là où il faut l'appliquer. C'est-à-dire à l'âme et non à la chair. À l'âme et non à la chair ici signifie chair caractéristique de péché. Ce n'est pas chair comme corps, mais chair c'est une tendance à pécher. L'Esprit Saint exerce la consolation dans l'âme et non dans la chair. La consolation de l'Esprit aussi est parfaite, parfaite, car elle console de toutes les tribulations, de toutes les tribulations, de toutes les tribulations. Non pas comme le monde. Le monde nous console dans le péché. Nous console dans le péché parce que le monde offre le péché. Le monde comme système de péché offre le péché et les conséquences du péché et tout ce qui tourne autour du péché. Aujourd'hui, si on voit un grand pécheur, il veut être un mondain. On fait un mondain. On fait ce que l'on veut, on se dit comme devise, mangeons, buvons, faisons ce que nous voulons. Demain nous allons mourir, c'est fini. C'est ça la recherche du monde. Mais pour nous chrétiens, non. Nous mangeons, nous buvons, mais nous croyons en Dieu qui nous a aimés, qui est mort pour nous et qui nous appelle au paradis où nous allons contempler sa gloire. C'est ça notre vie. La consolation de l'esprit est proportionnelle. Car là où il y a une plus grande tribulation, il apporte une plus grande consolation. C'est ça une clé de ce que Paul a dit, là où le péché abonde. Sa grâce et en surabondance. Parce que Dieu est le premier, ce n'est pas le péché qui est le premier, c'est Dieu qui est le premier. Après ce parcours, quels sont nos fardeaux? Là où on doit appliquer la consolation, quels sont nos fardeaux? Chacun aujourd'hui a des fardeaux, que ce soit des fardeaux intérieurs comme des fardeaux extérieurs. Le premier fardeau que j'ai fait, c'est bon. Après le fardeau, bien sûr, du péché. Le péché est le fardeau fondamental. Après le péché, ce que j'appelle fardeau, c'est le fardeau de la méconnaissance de soi. Le fardeau de la méconnaissance de soi. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup s'engagent derrière le Seigneur sans se préoccuper de se connaître. Beaucoup sont chrétiens. Ils sont dans des groupes de prière, ils prient. Ils sont dans des associations, ils prient. Ils partent dans toutes les prières, mais ils ne se connaissent pas. Comment ça va? C'est là que nous sommes. 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 Parce que tu es fourni par la masse. Devant le Seigneur, je suis qui? Je suis qui? Je suis qui? Souvent, on est dans une société de développement personnel. Développement personnel. Beaucoup confondent développement personnel et évangélisation. Développement personnel, ce n'est pas évangélisation. Développement personnel. Il y a des tendances de développement personnel. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui écrivent des statuts. Des statuts. Des statuts. Des statuts. Ce sont des statuts de développement personnel. Ils sont impliqués les statuts de développement personnel avec l'évangile.
Myriam en danger. Pourquoi? On aime dire, je suis un enfant de Dieu, je suis appelé à la croix, je suis bien. Ces paroles, ce ne sont pas des refuges. Des refuges pour fuir la réalité de la vie. La réalité. Souvent, ce sont des refuges pour fuir la réalité. La réalité. La connaissance de soi est nécessaire pour la connaissance de Dieu. Est nécessaire. Est nécessaire. Pour connaître Dieu, il faut se connaître parce que Dieu nous permet de nous connaître. Je suis qui dans mes affections. Les affections. Les affections. Ça fait partie de ma vie. Les affections. Affections. Mes affections, mon histoire personnelle. Est-ce que j'aime mon histoire personnelle? Avec quelqu'un, est-ce que j'aime mon histoire personnelle? Histoire personnelle. Mon histoire familiale, mon histoire communautaire. Est-ce que je sais que j'ai une histoire personnelle, familiale et communautaire? Je ne suis pas des amis du ciel, je viens d'une famille avec ses manières de faire, ses manières d'être. Est-ce que je sais ça? Est-ce que je connais ces caractéristiques? Est-ce que j'accepte que je suis créatif, je suis limité et je suis blessé? Est-ce que je l'accepte? Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas qu'ils sont limités. Ils sont dans le perfectionnisme, perfectionnisme. Alors que le Seigneur n'est pas venu appeler des pères des parfaits, il est venu appeler des imparfaits. Souvent on bloque la grâce à cause de notre manière d'être. Le Seigneur n'appelle pas des parfaits, il appelle des imparfaits. Mais est-ce que toi tu sais aujourd'hui que tu es un imparfait? Ou bien tu es rempli de blondeur? Ça, la première fois doit avoir aujourd'hui, la première fois, la méconnaissance de soi. Deuxième fardeau, les fardeaux de blessure intérieure. Fardeau de blessure. Qu'est-ce que la blessure? Qu'est-ce que la blessure? On entend dans le nouveau et dans beaucoup de sociétés, dans la psychologie, la blessure, qu'est-ce que la blessure? Qu'est-ce que la blessure? Gagnon, parole blessante, a dit blessant, on dit, quand elle m'a parlé, elle m'a blessé. Tu veux du quoi? La blessure est riche et complexe. Elle est riche en même temps, c'est-à-dire la signification. Elle est riche et en même temps complexe. Difficile à cerner. Parce que je ne suis pas un spécialiste de la blessure. Elle est difficile à cerner. Elle peut être employée dans différents sens. La blessure est expérimentée comme une souffrance où il y a une privation au manque. La blessure, ça peut être un manque. Une privation au manque. Qu'est-ce que nous manquons de quoi? Nous parlons beaucoup de blessures et peut-être nous servons pas l'ampleur de la blessure dans la vie de la personne. S'il y a blessure, c'est parce qu'il y a un homme, il y a des hommes, il y a des blessures. Et pour être réaliste, il faut dire ceci. Nous respectons la pensée chrétienne. Il ne faut pas tomber dans un optimisme trop exagéré, un optimisme exagéré, un optimisme. Ou bien un pessimisme. Optimisme, c'est quoi? Je suis innocent. Je suis innocent. On n'est pas totalement innocent. On n'est pas totalement innocent. L'autre tendance, c'est quoi? Je suis corrompu. C'est la conception protestante. L'homme est corrompu foncièrement. Corrompu. Non, on n'est pas corrompu foncièrement. On est entre l'innocence et la corruption. On est au milieu. On est donc blessé. Et voilà pourquoi je suis vraiment passé blessé. Comme dit Isaïe. On est un homme blessé qui est appelé au salut et qui peut être guéri par Jésus. À travers ses blessures, ils sont guéris. Et l'homme blessé est un homme pécheur qui est écartelé entre le bien et le mal. C'est ce que Saint Paul dit dans Romains 7. Romains 7, 15, 24. Paul dit que le bien que je veux faire, je ne vais pas le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Ça, c'est quoi? C'est la loi que nous. C'est la loi qui est en nous, tous les jours. De même que d'être bas, ouais, l'église manque tout le temps d'être bas. Beaucoup moins d'être bas, ouais, de même que d'être bas. Ça. Mais c'est pas fini. En Romains 5, on dit que cet homme-là est appelé au salut. Et cet homme est soutenu par la puissance de l'Esprit Saint qui peut nous permettre de faire le bien. L'Esprit Saint peut nous permettre de faire le bien. Et cela touche. La Genèse, le chapitre 1, le verset 26, l'homme, Dieu créa dans son image, car ça me semble.
nous sommes toujours à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas toujours à la ressemblance de Dieu. Nous sommes toujours à l'image de Dieu, mais la ressemblance est à cause de nous chercher. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là parce que nous ne sommes pas toujours à la ressemblance de Dieu. Après ce fardeau, j'ai donc le fardeau de la culpabilité. 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 C'est le désespoir face à la miséricorde de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui se culpabilisent ou bien qui tombent dans un roman, dans un roman. Le roman peut avoir deux issues. Roman. On peut avoir le roman et avoir la contrition, aller recevoir le sacrement de la réconciliation. On peut avoir le roman et être dans la désespérance, tomber, pour dire que Dieu ne va jamais pardonner ce péché. Dieu ne va jamais changer ma situation parce que je suis indigne. Lui, tu es indigne. Mais Jésus a besoin de l'indigné. Il n'a pas besoin de. Non, super. Jésus a besoin de l'homme blessé pour le guérir. Qu'est-ce que l'homme, c'est tout ce que nous avons refoulé dans notre inconscient. L'homme, c'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte de rejeter. Par crainte de rejeter. C'est ce que Jésus appelle dans l'évangile l'hypocrisie. Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est quoi? Qui est là, c'est comme les masques de théâtre. Vous connaissez les masques de théâtre? La personne qui est dans le masque, tu ne le vois pas. Tu vois le masque. C'est comme ça. C'est l'ombre. Donc on cache notre difficulté et on apparaît comme quelqu'un qui est bon pour plaire aux autres et pour ne pas être rejeté. Cela, on est inauthentique. On est inauthentique. Il faut se révéler tel qu'on est devant le Seigneur. Et l'ombre fait partie de nous. Si on bloque l'ombre, on ne peut pas grandir spirituellement. L'ombre fait partie de nous. L'ombre fait partie de nous. Et il faut se révéler devant le Seigneur. Il ne faut pas faire avec Jésus un jeu de cache-cache. C'est pas possible. Dieu nous connaît. Il nous connaît. Il sent nos pieds et nos mains. Mais nous devons nous ramener. Vous voyez, il y a la femme là. Essaye de lui qui nous parle. Nous devons nous ramener. Il y a la femme là. Essaye de lui qui nous parle. Amen. Donc notre homme, il faut la donner à Jésus. Après l'homme, le fardeau de la peur. Peur. Aujourd'hui, dans les sociétés africaines et dans l'église africaine, on a peur des sorciers. On a peur des sorciers. On a peur des arbitres. On a peur des personnes qu'on dit ce sont des gens du fond. On a peur de ces gens-là. Et on construit une forteresse en notre cœur, une forteresse. Est-ce que le sorcier est Dieu? Est-ce que le sorcier est Dieu? C'est nous qui donnons le pouvoir au sorcier. C'est nous. Parce que le sorcier est tenté par l'orgueil, l'arrogance, l'orgueil. Et donc, si on a peur du sorcier, ça nous rit davantage parce qu'il croit qu'il est quelqu'un dans la société. Parce qu'on a peur de lui. C'est nous qui mettons ce pardon à nous. Parce qu'on a peur de lui. Et quand on a peur de lui, il a un pouvoir sur nous. Il a un pouvoir parce qu'on a peur de lui. Tu ne dois pas saluer cette personne à lui qui se doit de rien moi qui nous dit. On t'aime dans le monde. C'est un Nyon, il prétend travailler avec nous. Mais tu ne dois pas les prendre en même temps parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, tu n'as pas. Tiens, c'est la peur, la peur aujourd'hui, le fardeau. Et beaucoup font des prêtres, nous, font des prêtres, des baisers et des prêtres. Certains prêtres, comme des féticheurs. Pourquoi comme des féticheurs? Tu viens chez les prêtres, tu pries, ils vont te dire, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Pardon. La prière, ce n'est pas d'abord ce que tu as reçu pour moi. Non. C'est le virus. Et quand nous venons comme ces assemblées-là, s'il n'y a pas de personnes qui disent des choses plus sérieuses, là, on dit que la grâce n'a pas été efficace pour nous. Parce que par quel. Et ainsi, on bloque notre pays. On bloque notre pays. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, discernons. Il y a des gens qui utilisent nos faiblesses, ils utilisent des livres comme des marionnettes. Parce qu'ils savent qu'on est des corps, excusez-moi, entre guillemets, on est des corps. Si
un gars de terrain venait ici, il y aura beaucoup d'adeptes. Parce qu'on est friand de prophéties, de choses sur nous-mêmes. On est friand de ça. Et donc la personne va nous tromper parce qu'il dit des choses. Les prophéties disent des prédictions. Ils disent des choses qui arrivent. Ah, comment il faut discerner? Il faut prier, mais aussi il faut utiliser ma raison pour discerner. Aujourd'hui, quand des gens vous disent l'église n'est pas efficace, l'église qui n'est pas efficace, parce qu'il ne fait pas du miracle. L'église qui est efficace, c'est l'église qui est dans le coin là-bas. C'est l'église qui est efficace. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte bien des. Qui porte des costume cravate. Il crie sur le micro et quand il veut vous, toute la famille est à terre. Cette personne qui est on vous dit ça. On vous dit ça. Et tu crois que c'est ça. Après on te dit, ne prie pas la Vierge Marie. Ne prie pas la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, c'est une personne. Et pas la Vierge Marie. Quelque chose qui change.
C'est ça que je dis pour toi et pour les membres de ta famille et les intentions que tu portes dans ton cœur. Qu'il en soit ainsi maintenant.